Et c'est parti les gars. Donc on est... Mais bah de jouer ce serait bien. On est donc dans la chapelle de purification qui est le deuxième point de profondeur de capitaine des profondeurs. Et on va attaquer la première extension H of Ariel. Ariandel, pardon. T'as vu les connards en plus. Et pour y avoir accès à ces DLC, il faut parler à ce petit homme qui est apparu. Accepter d'aller dans son petit monde de glace. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Ouais, si je me trompe pas, Ariandel, c'est un petit clin d'œil au premier, parce que dans le premier Dark Souls, en allant à Norlando, donc qui est une zone éclairée en lumière et tout, il y a dans une des bâtiments un énorme tableau où quand vous le touchez, vous téléportez dans un monde comme ça un peu de glace quoi. Et vous affrontez donc une femme avec une faux. Donc Priscille, je crois. L'héritière du dragon, tout ça. Et en gros, c'est une gonzesse qui peut devenir invisible, qui a une faux qui fait assez mal d'ailleurs. Et donc c'est un truc en plus. Vu le rire, tu sais que c'est un connard. En tout cas... Très facilement, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et on va découvrir ces petites DLC. Je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. Les deux DLC, j'ai essayé de regarder des extraits, mais je ne me rappelle pas du tout les avoir fait. Ou alors, j'ai peur de mélanger surtout avec... avec ceux du premier ou du 2. Donc, je préfère pas dire tout de suite que j'y vais ou pas. Donc... On est dans une forêt de glace. Il y a de la lumière, il y a des flambeaux devant. Je vois quelqu'un qui se bat avec les... Nictaras, t'as demandé quelque chose toi? Hop là! Deux, trois soldats devant. Donc quand on est dans la glace, on peut toujours se dire que les flammes peuvent faire quelque chose. J'ai farmé à fond pour pouvoir avoir mon épée lourde. Oh, une mouche. Pour avoir mon épée lourde et en plus mon épée des ténèbres. J'ai dû monter... Avec pour l'armure de femme complète, j'ai dû monter à 41 la vigueur. Donc ça commence à piquer un peu. Parce qu'il faut presque maintenant presque 100 000 pour level up. J'ai dit, hein, même avec un bon level, le nombre fait les dégâts quand même. Évidemment, ça ne m'étonnait pas. Ça par contre, ça me plaît moins déjà.
Le nom me fait mal. Clairement, le nom me fait plus mal que le mob, mais bon, ça pique quand même. Y a pas d'autre, c'est bon. Tu te fous de ma gueule, j'ai même pas eu le temps de me relever qu'il m'a one shot. Eh ben, on va fermer. Hein. Pensais pas mourir si tôt dans une DLC. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai vous péter la gueule après. Waouh! C'est peut-être pas ennemi dans la tour, ça peut être pratique. Roulade, roulade!
Putain de ta race. Ah non! Sérieux quoi. Les mecs, c'est que des gens à la portée de leur coup. Ok, je suis passé à travers les deux trous, j'ai touché un mec en vol. Bon, ça va être chiant ce passage. Hein. L'heure de question que je laisse une seule lame à un ennemi. Château à gauche.
Ah, c'est gars, je trouve du cul. Là, je commence à monter, ça m'interpelle ce qu'il y a sur le toit. Donc là, une chapelle. Ça a l'air d'être tout ce qu'il y a. Parce que ça a l'air d'être vachement vide autour. Donc l'église est à droite, donc on va partir par là, je présume. Là, ça mène où? Ravin, oui, donc on va monter. On va monter. Oh putain, d'accord. Je viens de comprendre ce qui arrive. Barrez-vous! Run for your life, baby! Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, d'accord. Est-ce qu'on referait pas le coup de pute? Avant qu'on nous le fasse, surtout. Qu'ils n'ont pas l'air de nous suivre. Est-ce que ça marcherait? Ah, et ça marcherait. And yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. Déjà premier checkpoint. J'espère surtout. Ouais, nickel. Des tableaux. Pas flippant du tout. Welcome, I am Frieda. I have long stood beside our blessed father, but forlorn thou seemest not. Ashen one, I know not the missteps which led thee to this pain, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from what I presume it visible to thee.
The bond for meek and faded thing, but twill. Si tu me demandes de me casser, c'est que t'as peut-être quelque chose à te reprocher. Dans Dark Souls, faut toujours se méfier des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de l'église? Gemme de la carcasse. Ah, on peut descendre. Tu as le fait d'avoir utilisé des trucs, je pourrais me TP à l'église déjà maintenant. Botte de compagnon, d'accord. Ah, elle est en dessous. Ok. Un genre d'archer qui tire des flèches, des missions de force.
Ah, putain, les roulettes qui passent pas. Non ! Putain ! Comment tu veux que je descende là-dedans, toi ? Putain, mais comment tu veux que je leur pète la gueule ? Ah putain, y'a un feu de camp qui est en dessous, sérieusement. Salut à Steven, quand tu vas. Thank you.
Ah, bonne app. Bonne app à toi. C'est gentil de passer pendant que tu te goinfres. Ah putain, c'est là-bas. Il est partout parce qu'il est sur PlayStation 4 et à partir du moment où il est PlayStation 4, tu peux le trouver sur PlayStation 5. Là c'est la DLC. Là c'est la première DLC Ash of. Pourquoi je dis Ash of Rising? C'est quoi le jeu qui est Ash of Rising? Ash of Ariandel. Faire des crabes. Ça veut bien qu'il y ait un petit mec qui aime m'aider là, c'est le problème. Dark Souls, je me suis mis à Skyrim sur PS5 et je suis en mode achat. Ah, t'es en train de te refaire le stock de jeu. Moi j'attends, là j'ai pris quoi? Bah là je suis en train de faire Dark Souls 3, j'ai fini le jeu de base. Avant de passer au modèle au-dessus, donc je me suis pris la DLC. Et je vais. Je me suis précommandé Elden Ring. Donc le Dark Soul qui arrive en février, toi. Pas de soucis, à plus, Sion.
Non, tu te fous de ma gueule. Au bout d'un moment, tu vas peut-être arrêter de me faire 4 fois la même attaque, non? Je sais pas. Déteste les combats en duo. Oui, passe à travers carrément les pixels, c'est bien. C'est quoi que j'ai gagné? Fortitude là? Ok. C'est un set déjà programmé en fait, ok. On dirait quand même, on croirait vraiment la tombe d'Artorias quand même. Profondeur du tableau. On va voir s'il y a autre chose que les deux crabes. Mademoiselle. Désolé.
Je suis passé. Ne m'en voyez pas. Je sais que vous êtes la grand-mère de Groot, mais quand même. Donc là les profondeurs on a tout alors, parce que là c'est fermé, l'autre côté c'est fermé, et l'autre côté c'est le boss. Salut paresseux, comment tu vas? Comment va le tonton paresseux? J'espère que tu vas bien, j'espère que ta petite famille va bien. Bon, on va la liche-feu pour utiliser les points qu'on a pour monter un peu. Ça va, ça va. Là, on est en train de faire les petites DLC de Dark Souls. On a fini Dark Souls 3 en 2 jours là, pour l'enregistrer, c'est pour la chaîne YouTube. Et donc là, on fait les deux petites DLC là qu'on a récupérées. Et toi, qu'est-ce que ça raconte de beau? Que du vieux. Ah là, faut pas que je frappe, je vais traverser pour prendre l'échelle de l'autre côté. Non, pareil pour l'instant, c'est avec mon côté aussi. Là, on attend le 8, donc mercredi pour la sortie officielle. Mercredi, je crois. C'est 8 ou c'est le 6? Non, c'est le 8, je crois. La sortie officielle de Mogul et Mouche. Ah, j'ai bouffé son nom, tiens. De Halo Infinite. Pour que ça change un petit peu le contenu qu'on fait. Et à part ça, pas grand chose. Pareil là. Mais toi les fêtes, malheureusement je suis encore enfermé chez moi à cause de des papiers qui manquent pour déménager. Ma petite taille pour passer les fêtes avec ma petite femme et ma fille et ma belle-fille, pardon. Oh le smooth. C'est bon, bon, j'ai pas vu la console.
c'est comme ça, c'est glace. Tu remues la queue. Ah, c'est maintenant Dark Souls mon jeu d'horreur, c'est pas possible. L'air c'est fermé. Là il y a Freddy Krueger là dans le tas là. Pas le meilleur. Ah, j'ai pas dit ok Google. Pour que tu t'allumes toi. Donc ce serait un village de petits monstres. C'est compliqué de savoir lesquels faut que je bute ou pas. Dans le doute. Venez, je vous tue tous. D'accord, le Freddy Krueger, elle a accroché par le cul en fait. C'est un bout de paille. Non, quel connard. Ça se manquait un feu de camp dedans. Hein.
Où est-ce qu'ils immigrent là? Ah d'accord. Non, 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 non. Oh, je suis passé à 2 mm, sérieusement. Fous les boules. Il est tombé comme un con. Ok, par contre, interdiction du verrouillage ennemi. Enfin, je se retrouve simple, c'est ça? Thank you.
menace. Essayer au moins d'avoir accès à... au soldat qui est à l'intérieur. Putain, mais... Je me prends une balle à travers le décor, sérieusement. Ah, ça fait quand même un peu haut, peut-être, pour sauter. Je sais pas, okay, il y en avait une ici aussi.
Ah, culotte de merde. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette baraque de cinglés là? I believe. I doubt the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Tis good. When this is done, the door is open thanks to thee. Tis good. Oh, I promised Uncle Gale I would. Mm-hmm. Il y a un feu de camp juste derrière, mais tu peux pas ouvrir d'ici. Ça, c'est bâtard, ça. Bon, on a notre premier checkpoint, et après, la partie, les bio. Donc on va couper là pour ceux qui sont sur YouTube et pour tous les autres, je reviens tout de suite. Surtout partager, liker et ouvrir.